Moi, ça fait un an que je suis parti de YouTube car on se fait blablabla, blablabla, blablabla. Donc il nous a fait ses adieux, hein, je crois, c'était en 2000. Ça fait un peu plus d'un an, je crois, voilà. Bon, ça, on va dire que ça fait un an, hein, voilà, quelque chose près. Bah, parce qu'il a supprimé la vidéo, donc maintenant, voilà. Donc ça fait un an qu'il est parti de YouTube, etc. Blablabla, blablabla. Voilà, comme d'habitude, hein, blablabla, blablabla. Alias, arrobase, comme le dit si bien, Sipo, voilà. Vous allez me comprendre. Donc ça fait donc un an, plus ou moins, qu'il est parti de YouTube. Moi, je vais dire que ça fait un peu plus d'un an. Il y a 2 semaines, ah putain, le mec, il remet une vidéo. Et il s'est déguisé en, comment on appelle ça? Avec Blanche-Neige, là. Vous savez, les 7 nains, là, quand ils se déguisent en, quand ils vont dans la forêt, ils se déguisent, là. Bon, il a dû prendre un déguisement comme ça, je pense, hein. Cerise sur le gâteau. Hop, le revoilà, le revoici, le revoilà. Au lieu de marquer, bah, il a fait un petit tour de passe-passe, hein, arrobase Harpel, hein. Il s'est transformé en Fabien Gobelin. Oh putain, fallait chercher loin celui-là. Et franchement, fallait aller très loin chercher. Et je pense qu'il a dû aller sur Neptune, à peu près. Ou peut-être Saturne, je sais pas. La Lune, non. Il a été beaucoup plus loin que ça. Et en plus, il n'est pas très malin, hein. Coucou, bonsoir, Eldo. Ça fait donc un an qu'il est parti de YouTube, hein. Voilà. Il a fait un comeback, hein, en fin de compte. Voilà. Il s'est dit, oula. Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas bien, mais je pense qu'il ne se sent pas bien, hein. Donc voilà. Fabien Gobelin, alias Fabrice Gauguelin. Bah, à la rigueur, si tu peux nous refaire encore tes adieux sur cette chaîne-là, ce sera encore bien. Voilà. Donc je te réponds aussi, hein, bien entendu. Bah, je te réponds, hein. Voilà, je te réponds, hein. Je te réponds, voilà, par rapport au deuxième pouce en l'air. Donc moi aussi, ben, je te mets un pouce en l'air pour ton bullshit, hein, pour tous tes bullshit de ce que tu prétends. Alors il faudrait peut-être aussi que je vous donne le lien de la vidéo que j'ai fait à propos de ce personnage qui disait ne lui prête pas attention, ce sera mieux. Voilà, en, grosso modo, faut pas prêter attention à SBL. Et voilà, ce sera mieux. Du genre, ben, il faut l'ignorer. Ben, je te remercie, hein. Voilà. Encore une fois, comme dirait Sipo, la vidéo qu'a fait Sipo, les promesses n'engagent que ceux qui y croient.